allez et dites partout que ma voix a déposé ce dossier. À ceux qui étaient fiers, allez et dites partout que Babou est candidat pour la Côte d'Ivoire. Allez et dites partout que le combat est engagé avec ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Allez et dites partout que la Côte d'Ivoire ne peut pas et ne doit pas perdre cette bataille. Je vous remercie. Ceci est un musée. Un musée comme les autres musées, à la différence près qu'il est plus beau que les autres musées, ici en Afrique et ailleurs. L'amateur de Garba s'imagine qu'il pourrait souffrir autant de Garba que souhaiteraient manger les nombreux membres de sa famille élargie s'il obtenait une petite partie de l'argent de ce musée. Alors comment ne pas l'écouter, même quand il commet l'erreur de penser qu'un musée ne sert strictement à rien? Dans son attitude, il pourrait emporter l'adhésion et même la conviction de bon nombre de nos compatriotes. Ils commettraient tous une erreur. Le propre de l'erreur, c'est de se prendre pour la vérité. Difficile dilemme qui ne peut s'aplanir qu'avec le temps, l'autre nom de Dieu. Ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est qu'en fait, le musée est la plus importante de nos infrastructures du savoir. C'est le lieu où se conserve tout ce que nous avons de plus précieux sur notre histoire, notre passé, qui peuvent à bien des égards nous projeter vers l'avenir avec des moyens de le dominer. Dans bien des pays dont la France, le ministre de la Culture est le ministre le plus important du gouvernement. C'est souvent le plus connu, le plus prestigieux et le plus adulé de la population, et curieusement par les jeunes de toutes conditions. Ce n'est pas pour rien que l'ancien ministre français de la Culture Jack Lang a bénéficié de tant d'attention de la part de notre président qui sait que la seule chose qui soit présente face à la mort, c'est l'art. Nous tenons cette affirmation du prédécesseur de Jack Lang, André Malraux. Je sens en vous le grand humaniste, l'homme qui est le combattant. Le combattant au service d'un humanisme. Je vous connaissais à travers les écrits, les témoignages de certains de vos amis fidèles. Et ça compte, en effet, la fidélité dans les moments que vous avez dû traverser. Les témoignages de ces amis et ce que j'ai pu moi-même ressentir montrent à quel point c'est une chance pour la Côte d'Ivoire qu'un homme de votre envergure humaine, intellectuelle, anime son destin. Vous avez dû affronter des situations très difficiles et votre sens de l'État, votre passion pour la Côte d'Ivoire, votre intelligence politique et votre générosité font qu'aujourd'hui, sous votre haute autorité, la Côte d'Ivoire retrouve le chemin de la paix, de la réconciliation nationale, donc de la démocratie et du progrès. Et j'essaierai de me montrer digne de votre amitié, de votre considération, en essayant de mieux faire comprendre à quel point aujourd'hui les nations extérieures, l'Union européenne, les institutions internationales, la France, doivent accompagner, en respectant votre souveraineté et votre liberté, ça va de soi, doivent accompagner l'action que vous menez avec d'autres personnalités. Ce qui vous caractérise, c'est votre amitié et votre fidélité à France Amitié. S'il y avait un seul trait à retenir, c'était ça, la fidélité à France Amitié. Dans la vie politique où nous sommes, c'est tellement dur, les parcours sont tellement difficiles, que quand on voit une fidélité aussi grande que celle que vous avez manifestée et que vous continuez à manifester à l'égard de François Mitterrand, on est obligé de vous saluer. Ce que Laurent a fait aujourd'hui, le Bulida qui est là, a été créé grâce
l'esprit ingénieux de Laurent Gbagbo. Et c'est le premier héritage qu'il m'a donné pour mes enfants musiciens. Pas mes enfants biologiques, mais tout musicien sait que papa a laissé un héritage. Le disque d'or s'obtient par tout artiste, musicien ou groupe musical qui, de par la qualité de son œuvre, réussit à vendre à Paris plus de 75 000 albums. Pour le disque de platine, il faut avoir vendu plus de 100 000 exemplaires. Le groupe ivoirien Magic System est aujourd'hui à son 12e disque d'or et son 2e de platine. Ce sont ces lauriers que Assalfo et ses amis sont venus présenter au président de la République. C'est un homme qui a été constant, déterminé, qui n'a jamais changé sa ligne, ses idées. Et surtout, Henri Duparc aimait aussi son côté artistique, artiste. C'est un musicien, il aime la musique et aussi il aime beaucoup le cinéma. Il aime beaucoup le cinéma et pour ça il s'entendait très bien là-dessus. Et pour moi qui suis dans ce milieu du cinéma, je souhaiterais qu'il continue aussi à mener un combat pour la culture et pour le cinéma, en dehors de son combat politique. Mais je sais que s'il le peut, s'il a le temps, c'est un autre combat qu'il mènera pour développer la culture et le cinéma dans ce pays-là. Nous, c'est un devoir de citoyenneté de revenir vers M. le Président de la République pour lui présenter tous ceux dont nous avons bénéficié de par notre activité hors de nos frontières. Magic System s'est mis dans une logique de toujours valoriser l'image de la Côte d'Ivoire hors de ses frontières. Et je crois que c'est notre seul leitmotiv pour nous battre à l'étranger. Nous sommes allés, 2 ans après, nous avons reçu encore un autre disque d'or et un disque de platine. Comme quoi, les bénédictions que nous avons demandées ont été exaucées. C'est ce sentiment-là qui nous a poussés à interrompre notre tournée européenne, à revenir en Côte d'Ivoire et faire ce geste, offrir à travers le président de la République ce disque d'or à la nation tout entière et encore demander des prières et des bénédictions. Tous les prix, c'est la deuxième fois que je reçois. Et je suis fier de ça. Parce que moi, je veux être le chef d'État de la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui gagne, tel est mon slogan. Je suis content. Quand vous allez et que vous ramenez des lauriers, je suis fier. Si là, quand vous allez sur moi. Monsieur le Président, notre fierté pour nous sera de vous inviter, selon votre emploi du temps, dans le petit village d'Anomambo qui vous attend depuis fort longtemps. Ça sera notre plus grosse fierté, parce que c'est un village qui est acquis à votre cause et qui n'a jamais ménagé d'efforts pour apporter son soutien à toutes vos actions. Face à ce succès sans cesse engrangé à travers le monde pour une Côte d'Ivoire qu'il veut toujours gagnante, le président de la République a exprimé sa fierté à Magic System pour sa persévérance dans le travail bien fait. 19e minute, la riposte de Madagascar a failli coûter cher aux éléphants. Et Copa Barry, vigilant, a réussi à dévier cette balle en corner. Quand les footballeurs savent plus gagner, je suis fier d'eux. Touré Yaya Nyeri, le défenseur du FC Barcelone, a été accueilli par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Banzio Dagobert, les membres de la Fédération Ivoirienne de Football, les membres de sa famille, ainsi que les cadres du département de Catiola. La superstar du FC Barcelone a ensuite pris un bain de foule. Une foule compacte d'admirateurs amassée le long du parcours pour voir le défenseur du FC Barcelone présentant fièrement le trophée qu'il a remporté de haute lutte avec son club le 27 mai dernier face au club anglais de Manchester United.
Ce parcours triomphal s'est achevé à la résidence du chef de l'État à Cocody, où Touré Yahya Niéri, accompagné dans ce voyage par une délégation du FC Barcelone, est venu présenter l'objet d'art au président de la République. Une occasion pour le footballeur de remercier le chef de l'État et son épouse pour leur soutien de tous les instants à son endroit et à l'endroit des éléphants de Côte d'Ivoire. Le président de la République a mis à profit cette rencontre pour féliciter l'Ivoirien du Barça avant de dissiper un malentendu qui a prévalu lors du match Chelsea-Barcelone. Après le match contre Chelsea, il était très affecté. On m'a même dit de là-bas qu'il a même pris le manteau camerounais à côté d'Eto. Et ça m'a vraiment fait mal. J'ai appelé Jacques Anouma, le président de la fédération. J'ai dit, il faut aller là-bas. Il faut dire aux petits que nous, on ne l'a pas respecté. Si quelqu'un fait un commentaire à la télévision, ça, c'est pas nous. On ne va pas l'arrêter, mais il faut aller là-bas, à Rome, assister à la finale pour dire aux petits qu'on est avec lui. C'est désormais un rituel ou presque pour le président ivoirien. À chaque match des éléphants à Abidjan, le premier capitaine de la sélection ivoirienne reçoit Didier Drogba et ses coéquipiers. À l'occasion, le président de la République ne manque jamais de rappeler le rôle déterminant du sport dans la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je n'oublierai jamais l'apport des éléphants footballeurs dans la solution de la crise que nous avons eue. Je l'ai dit un jour à Didier, avec qui je parlais, j'ai dit, le match international amical que vous avez joué contre la France à Montpellier. Depuis ce match-là, les journaux français n'ont plus écrit sur la Côte d'Ivoire comme avant. Mesdames et messieurs, hier c'était la Coupe de la Champions League remportée par le FC Barcelone avec des joueurs ivoiriens qui venaient jusqu'à vous pour se présenter à vous. Aujourd'hui, 16 octobre 2009, c'est la prestigieuse Coupe du Monde qui vient ici, en Côte d'Ivoire, pour se faire toucher par vous au nom de toute la Côte d'Ivoire. Le président va donc se lever pour aller découvrir cet objet d'art, là, je le disais tantôt, la plus belle lame du monde, qui est pour le moment voilée. Je voudrais, au nom du président de la FIFA et également au nom de M. Jacques Anouma, qui est membre du comité exécutif de la FIFA, vous demander de dévoiler ce trophée de la Coupe du Monde. C'est le trophée de la FIFA. Merci, Monsieur le Président. C'est un moment intense d'émotion. Le président est écrasé par l'émotion. Je suis ému. C'est de recevoir ici la Coupe du Monde. Ça, c'est un rêve d'enfance. C'est un rêve.